Salut à tous les amis, c'est AzerTest112. Donc, si on se retrouve ici, c'est qu'il y a eu un truc incroyablement nul qui est arrivé sur notre série de Ark. Il y a eu une mise à jour de Ark, il y a eu un gros bug de Ark aussi, et du coup, on a perdu tout ce que l'on avait. C'est horrible, moi ça m'a dégoûté. Du coup, bah voilà. On va devoir tout recommencer. Donc pour recommencer, je pense qu'on va pouvoir recommencer tout. Bon, la vitesse d'apprivoisement, je suis obligé de la mettre plus haute parce que sinon ça va être hyper long avec le mode là. Parce que les dinos pourront être jusqu'à niveau 840, donc c'est un peu très long. Donc voilà. Sinon, il n'y a pas. Voilà, donc au pire, on ajustera difficulté maximale. Force le niveau maximum. Voilà. Donc on va augmenter bien, bien haut de niveau. Voilà, donc normalement, je vais pas accélérer grand-chose. Si la maturation de bébé, je mets en x2. Sinon, voilà. Du coup, j'ai essayé pas tout, à peu près tous les modes que j'ai mis, comme ça, je suis sûr que ça marche. Donc, je pense qu'on va partir sur The Island, et puis on fera une autre série plus tard, peut-être sur Iso Crystal Isle. Bref, j'ai rien compris au titre, mais bon. Donc, on ira faire ça plus tard. D'abord, on va aller sur The Island. Donc, je vous propose de vous qu'on se retrouve une fois que le jeu a démarré, parce que moi, il met à peu près 1 h 30. Non, je rigole, c'est une blague. Donc, on se retrouve une fois que le jeu est allumé. On se retrouve dans le jeu qui a fini de démarrer. Donc, on est sur la création d'un nouveau personnage parce que tout a été effacé comme une nouille. Donc, j'ai pas de pré-réglage. Donc on va se mettre pas black et impossible. Moi bon, je suis pas raciste hein, mais bon comme ça il a l'air pas mal. Donc on va le renommer. Voilà, tout pile poil pour la chaîne. Hop. Donc on peut recommencer la partie sur une plage de base. Alors, là pour tabasser du dodo. Voilà. Alors. Voilà. Une petite pioche, on va commencer par améliorer la vitesse. On va prendre la petite hache et le feu de camp. Excusez-moi. Alors, tac, une hache, il faut du silex, du branchage et tout. Du coup, les turbines qui s'y met en route. Je vais faire un peu de bruit, je suis désolé d'avance. Du coup, la vie de famille, on entend tout ce qu'ils font tous les autres, mais c'est pas bien grave. Voilà. Tac. Donc là, il faut du bois. 5 minutes later. Bon, écoutez, un jour comme ça. Puis si c'est vraiment trop plaindre, je suis désolé d'avance, hein, comme ça. C'est dit. Quoi, ouais, on a déjà un spino là-bas.
Ça risque d'être lourd. Ouais, je voulais voir le niveau de ce truc. 12, ouais, c'est une victime, lui. Ouais, ça dépend vraiment de... Je vais le taper, mais on va pas le taper, il a rien demandé. Il est passé où, là? Wow! Il est là. Il se camoufle presque, le truc. Il se camoufle presque, l'engin. La vitesse... Bon, moi je vais pas trop m'approcher là-bas hein, parce que si c'est pour se faire éclater, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Donc, je vous propose qu'on farme déjà un peu. Je peux peut-être mettre. Mais laissez-moi tranquille. Et les bignouf me courent après là. C'est bon. Peine arrivé, tu t'en prends déjà plein la tronche. Alors, du coup. Oh, c'est chiant, j'arrête pas de bugger dans les cailloux. Et on a plus d'énergie. Alors. Tac. J'ai fait là déjà le feu de camp, il est là. Par contre j'ai pas de viande. Genre j'ai tué un dodo mais je vais même pas récupérer la viande. Je suis un goal moi. Ils sont où les dodos? Les dodos? Où sont les dodos? Coucou toi. Bah il a son cadavre. Tiens, bon, tu le vois celui-là? Eh bah t'es mort. Gogol. Là-bas, il y a un dilo. Alors. Une torche. Je vais peut-être pas en faire une tout de suite. Là, j'ai du point d'un gramme, du coup. Je vais me faire une lance. Voilà. Puis, commence à faire des vêtements. La lance, il faut de la fibre. Alors, j'ai une patate, vas-y. J'ai une patate. Voilà, premier timing, attention. On est sur un premier timing incroyable. On peut peut-être même tamer l'autre. Non, bah, je sais pas. Il faut du bois. Encore des lags. À partir du mois de septembre, enfin d'octobre, normalement ça devrait changer. Je vais changer ma carte graphique et ça va tout changer. Alors hop, on se fait ça,
c'est déjà bien. On a des chaussures. Hop, j'améliore encore la vitesse. Je sais pas si on va se choper lui. Attends, il est niveau combien? 16. Allez. Ah. Vas-y, déglingue-le, déglingue-le. Ouais. C'est génial, on a un Dilophosaure. Là-bas, il y a un Baryonyx. Il faut faire gaffe parce que là-bas, derrière, il y a le Spinosaure et des fois, il s'amuse à traverser comme ça, là. Non, je vais baisser un peu le son parce que ça gueule. Alors. Là-bas, il y a un autre Spino. Ouais, il faudra faire hyper attention. Je sais pas s'ils ont déjà rajouté les fameuses fondations en triangle. Tac tac tac, je vais regarder. Fondation, fondation, fondation. Les fondations en triangle. Si elles sont là. Donc s'ils ont rajouté les fondations en triangle. C'est moi ou la résolution, on dirait qu'elle est bizarre. Oh, je sais pas, c'est peut-être moi, on verra. Prochain épisode, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous voyez que l'image est un peu écrasée. Enfin, moi on dirait que l'image est un peu écrasée. Je vais pas encore taper la torture. Du coup, toi t'as de la viande, ouais, divisé de moitié. Je pense à chaque fois on va faire moitié-moitié avec lui. Tac. Allez, viens. C'est bon, il arrive. Le taper, on va essayer même de le laisser bloquer comme ça. Il est où là-bas là? Il est passé où? Il est là-bas au fond. Ok. J'ai une blague, je suis encore bloqué. Les tabasser encore un peu, deux trois trucs. Celui-là est niveau 40, ouais, ça se fait. Il veut pas me le taper. Alors, Coco. J'ai pas envie qu'il aille trop là-bas, après il va se faire tabasser, il va crever. C'est
C'est dingue ça, il arrive même pas à voir les dinos là. Ah, ça commence à monter, ça c'est bien. Divisé. De moitié. Allez, vas-y, viens avec moi. Et pas mal, hein, petit diophosaure. Il va nous aider à obtenir de la bouffe très facilement. Très bien. Je vous laisserai mettre un, lui donner un nom en commentaire. Je crois qu'on va le laisser là, comme ça, ce soir on pourra le tame. Il faudra lui trouver un nom, donc je vous laisse faire un commentaire. En effet, on va faire ça. Du coup, je vais les mettre en dégâts parce qu'il tape déjà bien. Hein. Quand même. Hop, si il vient par là, coco. C'est un mâle ou une femelle déjà? Et oh. C'est une femelle. Donc c'est cocotte. Cocotte minute. Non, je rigole, on va pas l'appeler comme ça. Ça va être horrible. Allez, viens. Et oh. Tu m'expliques comment tu le bloques dans des cailloux? Alors, voici, ça a tout bugué dedans. Alors, moi je vais apprendre des caisses de stockage si je peux. Non, je ne dois pas pouvoir encore. Donc toujours la vitesse. On est au niveau 5. Si on peut apprendre les caisses de stockage. Donc on va prendre celle-là. Du coup, on peut apprendre le lance-pierre aussi. Ça va être pratique pour tame 2-3 trucs. Hop, on va prendre le reste de la tenue. Il va falloir de la fibre. Donc je pense qu'on va partir sur des épisodes de 25-30 minutes. Hein. Comme ça, je vous en fais peut-être. Peut-être, je sais pas si je ferai genre 4 épisodes dans le mois et genre je les sortirai tous d'un coup. Ou si je fais genre un épisode par semaine et j'en sors un toutes les semaines. Ah, je sais pas, on verra. Voilà, on a pas mal de fibres. Voilà. Storage, elle est là. Un petit lance-pierre aussi. Et comme ça, on est plus tout nu. Ça fait plaisir. Ça, on va l'être là. Et mon lance-pierre, on le met là. Aussi, je sais pas si vous voudrez que je passe la nuit ou pas. Après la nuit, on fait pas grand chose d'intéressant en général. Tac. Du coup, je vais mettre la fibre. Tac. Je vais mettre ça, ça. Donc je pense que je ferai une base ici déjà et puis après bon, on ira en faire d'autres ailleurs. J'irai faire une plateforme dans les Redwood parce que j'ai jamais fait de plateforme aussi. Donc on verra bien. Ça j'ai commencé à les garder, la caillou aussi. Je garde 2-3 trucs de côté parce que comme ça, ça évitera qu'on meure trop vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va farmer un peu de bois et tout. Hein. C'est ce qu'il y a à faire au début.
A few moments later. Rends l'aveugle. Eh oh, pignoufle. Ça y est, maintenant ils vont s'y mettre à deux. Voilà, ça c'est fait. Ça va être un peu chaud. Mais qu'est-ce que tu fais là? Le gars il regarde. Faut que je me fasse des lances, des lances, des lances, des lances, des lances, des lances. Du bois, du bois. Elle me saoule. Voilà. Ça, je me fais plein de lances, je vais pouvoir leur casser la figure à ces pignoufs. Vas-y, vas-y, ramène ta tête, ramène ta tête. Mais sérieux, il a esquivé la lance. Mais il me saoule. Comment il fait déjà pour esquiver? Mais c'est... C'est même plus un pignouf tellement il esquive la lance. Et là, là, je jette ma lance et il résiste. Là, je vais te foutre un coup de pioche, mon gars. Tu vas t'en rappeler toute ta vie. J'arrive jamais à le faucher, le truc. Et il me pète les bulles. Bon, alors, là. C'est pas ça. Ça doit être du bois. Oh, il est où là? Oh, il est là. L'autre il arrive mais à la fin lui. Il est là, il... Ah, moi j'ai tout fait, moi. Moi j'ai tout fait. La calotte de ses morts, moi je le déglingue. Il est là juste pour dire ça. Ouais, bien. Faut rentrer. Si tu vois dans la tête, c'est mort. Mais si c'est un de là. On peut arriver, on peut arriver, tu veux, et faire demi-tour. Sale malade mental. Ouais, moi je l'ai senti dans leurs yeux qui disaient ça. J'espère qu'on va réussir à obtenir tout ce qu'il faut. Alors. Oh non, on n'a pas encore ce pignot. Là, j'ai dû galérer pour m'en débarrasser. Hein. Je prends des petits oiseaux là, comme ça là. Des enflures. Mais pourquoi tu dis que c'est des enflures? Parce que c'est des enflures. Quand j'aurai une Kalachnikov, on va tellement tous les fumer qu'il n'y en aura plus aucun sur la planète. Ça me paraît un bon programme hein, quand même. De tous les fumer jusqu'à qu'il n'y en ait plus un seul. Je me souviens de tout ce que vous m'avez causé. Et pas que dans cette partie. Voilà, faire grave, des fois des piranhas. Ils viennent bouffer en entier. Fais gaffe ici, hein. Je viendrai toujours. Une fois, il y avait un spino là-bas derrière, comme on a là-bas. Et une fois, il est arrivé, il est monté là par-dessus, il est venu, il m'a bouffé, alors que j'ai rien demandé. J'ai même pas pu récupérer mon stuff. Quand elle me stresse, là, la méduse est complètement buggée, là. Je suis glauque. Ce que je sais, c'est que c'est une belle crotte.
Je sais pas, on dirait qu'elle est complètement buggée. Cette grenouille. On va l'appeler comme ça. C'est une grognasse à partir d'aujourd'hui. Je crois que c'est du bois qu'il me faut. Bah, c'est pas du bois, c'est quoi alors? C'était ça. Là, il est proche là. Tu vois, là tu te dis qu'il est peut-être innocent, mais en fait il a déjà bouffé tout ce qui est sur la plage. L'enfoiré. Ouais, c'est ça, retourne chez ta mère. Ouais. De toute façon, il va tellement vite que là, il pourrait m'éclater en 2-2. Quoi de là, c'est bon, il y en a pourquoi. 3 secondes à arriver jusqu'à nous. Il faudrait qu'il y ait un truc plus gros que lui qui pop, mais bon, si c'est un truc plus gros que lui, bah ça peut aussi nous bouffer. Hein. Et plus gros que lui, il n'y a pas beaucoup. S'il y a le gigano, mais bon, il pop pas ici en général. Bon, après, il y a les titans, hein, mais bon, il faut arc extinction. Une petite commande pour les faire popper, c'est pas mal ça. On verra une fois qu'on sera bien maxé, si ça me tente on pourra peut-être en faire popper un ou deux, mais bon voilà quoi. Yes, clac, voilà. Tu la sens la douille, hein? Partons maintenant, on va XP hyper vite. Hein. En fait, c'est surtout pour farmer que ça va être ultra utile. Donc on se retrouve juste après mon farming. Donc, c'est pas. Ça, juste déboisé tout là, pas mal par là bas je suis niveau 19 maintenant, voilà. Donc je vais farmer tout là, ah ça y est, il y a un voleur. Voilà, donc le Spino il s'est encore rapproché. Rien de très étonnant, j'ai envie de dire. Du coup j'ai pété tous les cailloux là. J'ai rasé pas mal d'arbres là. Toute la forêt qu'il y avait là, je l'ai rasé. Enfin j'ai rasé une grosse partie de la forêt qui était en littoral. Tué de la bestiole aussi. J'ai pas mal de bestioles d'ailleurs même. Donc j'ai pas mal farmé. Donc on pourra bientôt commencer la baraque. Donc on ira chercher un très bel endroit pour faire la baraque. Donc dans l'épisode 2, je vais continuer. En fait j'ai dû aller faire du repérage pour voir à peu près là où c'est bien. Et après bah. Dans l'épisode 2, je vais vous retrouver avec une maison, avec ma maison totalement construite. Là, je pense qu'on va faire ça. Comme ça, ça ira bien. Donc, on va se laisser là. Hein. Après, à peu près 35 minutes de vidéo. Bon, ça fait beaucoup plus d'heures de tournage. J'ai à peu près 2 heures de tournage, là. Et ben, du coup, on va s'arrêter là. Hein. Donc, je vous dis à très bientôt. Peut-être pour cette... Normalement, c'est pas sur cette série le prochain épisode. Mais à très bientôt. Donc, salut à tous.